Effectivement, vous avez vu, il y a 4 bâtiments là-bas, au temps du lycée, annexe lycée de l'abbé. Ils avaient commencé, ils avaient même mis la charpente. Bon, après, ça s'est dégradé. Voilà. Donc, vous avez vu le mur jusqu'au fond là-bas. Ça, c'est le soubassement du bâtiment qui devait être construit. En 1960, soit 2 ans après l'accession de la Guinée à l'indépendance, le lycée de l'abbé connaît un surplus d'élèves. Il y a de nombreux admis dans les différentes écoles pour le secondaire. C'est la naissance du lycée annexe de l'abbé à Dalaba. Un bâtiment de 6 classes, construit à la hâte, voit le jour. Et il est prêt à accueillir une centaine d'élèves. Le lycée, son histoire commence en 1960. En 1960, tous les élèves admis pour le secondaire à Dalaba et ailleurs devaient rejoindre le lycée de l'abbé. Mais il s'est trouvé que des infrastructures étaient prêtes à Dalaba. Ils ont donc fait une sorte d'annexe. Ils ont dit le lycée annexe de l'abbé à Dalaba. Donc ils ont envoyé une première promotion qui était d'une centaine d'élèves. À l'époque, c'était le régime de l'internat. Ils ont construit des classes à la hâte parce que ce n'était pas prévu. Quand il s'agit de parler du lycée Béhanzin, on ne l'a pas appelé Béhanzin dès sa création. Lui-même n'était pas le lycée de Dalaba, il était le lycée annexe de l'abbé. Avec l'ancien programme colonial des années 1958 jusqu'en 1960, il y a eu un trop-plein d'élèves admis à l'entrée en 7e. C'est ce qui a amené le lycée de l'abbé à déposer son surplus au niveau du lycée actuel appelé Béhanzin. Donc c'est en 1960, sous la direction de Louis Lebrun, c'est le premier chef d'établissement du lycée Béhanzin actuel. Au début, seules 4 salles de classe sont fonctionnelles. À la création, il n'y avait que 6 salles de classe. En réalité, il y avait 4 classes qui fonctionnaient régulièrement, et la direction et aussi la salle des professeurs. Sous l'euphorie de l'indépendance, la Guinée entame une nationalisation des entreprises, des unités industrielles et d'autres établissements hérités du régime colonial. Le lycée annexe de l'abbé à Dalaba n'y échappera pas. Son directeur, Louis Le Grand, sera très vite remplacé par un certain monsieur Kemoko. Après lui, juste avec la nationalisation, le remplacement de tous les colons par les nationaux, ce fut M. Kemoko qui est venu ici comme premier responsable de ce lycée. Quelques années après sa création, le lycée annexe de l'abbé à Dalaba change de nom. Il est même transformé en collège. Son régime d'internat est supprimé. Plus aucun élève n'y est logé ou nourri, contrairement à ses premières heures. En 1962, ce lycée a été transformé en collège. Parce qu'à l'époque, il n'y avait plus d'internat, c'était le collège court de Dalaba. Nous avons été les premiers élèves de ce collège et nous avons été reçus ici avec le proviseur M. Magasuba. Ce collège répondait justement aux exigences. La situation de l'époque. Après M. Kemoko, ce fut M. Thibou Diop, après M. Anne Saliou, et ainsi de suite jusqu'à l'année en cours. Ce collège, condamné à l'évolution, va très vite changer pour devenir le collège-lycée de Dalaba. Ce changement a été induit par l'arrivée des élèves au niveau du BEPC et leur admission pour le lycée. Quand les élèves ont atteint le niveau du BEPC, il fallait aller au lycée. Et puisque ainsi les infrastructures ont été améliorées, et on a créé le lycée de Dalaba. Mais c'était le lycée collège à l'époque. D'abord pour les 11e années, et ensuite cela a continué jusqu'à ce que le cycle soit complet à Dalaba. Nous étions, disons, la première promotion du lycée collège de Dalaba. En tant que collège court. À l'époque, le concours des jeunes, c'était d'être les meilleurs. Et dans nos classes, à l'époque, l'élève ne copiait pas. Quand un élève cherchait à regarder dans son cahier pour copier, c'est les élèves eux-mêmes qui dénonçaient. Alors ce qui fait que tous ceux qui ont été formés là sont tous aujourd'hui des hauts cadres. Beaucoup sont devenus des ministres, des hauts fonctionnaires de l'État.
C'est avec la révolution culturelle que ce lycée acquiert le nom Béhanzin, un nom qu'il garde encore. Le lycée est donc appelé Béhanzin, c'est en 1968 avec la révolution culturelle que ce lycée a été dénommé lycée Béhanzin. Et ce lycée maintenant a continué à être lycée parce que recevant les élèves de la 7e jusqu'à la 12e. Et beaucoup d'élèves qui ont fréquenté cette école. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Bon, toute la préfecture de Dalaba, par exemple, ne comptait que 75 écoles primaires. Donc l'approvisionnement des lycées et collèges, et ce lycée était le seul au niveau de toute la préfecture de Dalaba. C'est longtemps après l'extension des écoles primaires, qu'on a pu créer des collèges au niveau de chacune des sous-préfectures de la préfecture. À l'époque, il n'y avait que deux options principales, c'était les sciences sociales et les mathématiques. C'est longtemps après qu'on a créé les sciences expérimentales, etc. Depuis sa création, cet établissement a eu des personnalités remarquables à sa tête. Des personnalités qui, avec pédagogie et rigueur, ont su inculquer le savoir à des enfants aujourd'hui devenus, pour la plupart, des intellectuels de renom. Il y a eu beaucoup de hautes personnalités. Monsieur Diallo Souri a été un des principaux, c'est-à-dire directeur de cette école. Il était très rigoureux. Monsieur Baldé Saïdou a été l'un des principaux proviseurs de ce lycée. Monsieur Keta Saïdou et bien d'autres encore ont marqué leur passage à Dalaba dans ce lycée. Et moi-même, j'étais chargé de cours. Après ma formation à Dabadou, j'ai été affecté à Mali d'abord et ensuite à Dalaba, où j'ai enseigné dans ce lycée comme professeur d'histoire et d'éducation civique. Ce lycée a formé beaucoup de cadres, où beaucoup de cadres sont passés par là pour devenir ce qu'ils sont. On peut citer M. Edouard Benjamin, qui a été représentant de la Guinée au niveau de l'Union africaine. On peut citer aussi M. Ansaliou, qui a passé par là avant de devenir inspecteur de l'enseignement au niveau de l'abbé. Robert Sara, qui, après Ourous de Koundara, est venu à compléter sa formation ici avant de s'évertuer à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Moi, j'ai étudié dans cet établissement. Quand j'ai fini mes études, j'ai été reversé à l'éducation. Et ensuite, je suis devenu directeur d'école primaire. Par le jeu des examens professionnels, je me suis retrouvé comme professeur d'enseignement général, chargé de l'enseignement secondaire. Et j'ai assumé beaucoup de fonctions au niveau de cet établissement. D'abord, j'ai été conseiller à l'orientation, puis directeur des études du CER 2e, 3e cycle Béhanzin. Et j'ai passé là 27 ans. Le lycée Béhanzin a toujours été couronné de succès. Ses élèves ont souvent été d'une exemplarité remarquable. En réalité, ce lycée regorgeait d'enfants bien choisis. Nous avions des professeurs à la hauteur. C'est ainsi qu'à Dalaba, on avait toujours parmi les meilleurs. Je me souviens, en 1995, j'ai eu à tenir le français au niveau de la 10e année. Mes élèves, au niveau de la région de Mamou, le premier en rédaction, c'était une fille, elle était de ma classe. Le premier en dictée question, c'était également de ma classe. Ce sont deux élèves, c'est Souadou Nian et Alpha Omar Diallo. Le lycée Béhanzin est aujourd'hui vieux d'un peu plus d'un demi-siècle. Quatre classes y ont été construites pour accroître sa capacité d'accueil. Mais aujourd'hui, c'est quasiment une école à ruines. Une charpente abîmée, des tôles rouillées et des gouttières défectueuses forment le toit qui coiffe les murs de cet établissement. Des murs durement éprouvés par le temps. En témoignent les nombreuses fissures qui s'y trouvent. Le lycée Béhanzin en lui-même, dans son infrastructure actuelle, date de 1960. La conception de la construction de ce lycée n'est plus adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Quand on compare le lycée Béhanzin au lycée Elhadj Aboubakar Doucouré de Mamou, qui ont été construits à la même époque, ce ne sont pas les mêmes spécimens.
le lycée Benzin ressemble beaucoup plus à une écurie que pour être une école. On n'a jamais posé la première brique pour cette école. Donc ce sont des bâtiments hérités du régime colonial qui servent aujourd'hui encore d'abri pour les élèves de cet établissement. C'est avec beaucoup de regrets que je viens au lycée Bianzin et que je constate que des enfants qui sont encore très bien et qui ont de bons professeurs, mais quand même qui étudient dans des conditions très déplorables. Le lycée est dans un état lamentable, ce qui est vraiment une honte pour, disons, notre préfecture. Ce lycée Bianzin, je le connais, il a été mon premier projet. J'ai été enseignant, ce lycée, en 1977 jusqu'en 1982. J'ai enseigné après mes études universitaires. J'ai été affecté là-bas comme c'était le credo de la Révolution à l'époque. Après l'université, il fallait faire un an dans les écoles. Et moi, j'ai continué même comme extramuros. J'ai enseigné des cours de biologie et de zootechnie au collège Bianzin. Et c'est vraiment déplorable parce qu'il n'y a eu que la dégradation. Parce que quand nous enseignions là-bas, les classes étaient plus aérées. Et il y avait moins d'élèves à l'époque qu'aujourd'hui, où il y a une dégradation totale. Et quand vous voyez les fenêtres, c'est le seul élément d'éclairage. Et quand vous voyez qu'entre les deux, c'est comme le disait quelqu'un, comme une prison. Et vraiment, c'est regrettable qu'il y ait un grand changement. Franchement, le lycée est malade. Nous sommes dans un couloir. Et ce couloir aussi, et la dégradation, vous avez constaté. Discipline, persévérance, réussite, c'est la devise du lycée Bianzin. Mais sa situation actuelle ne peut, en réalité, garantir une grande réussite. Il est dépourvu d'espace vital pour l'épanouissement des élèves et des enseignants. C'est dans ce petit couloir que tout le monde se bouscule pendant la récréation. Dans les salles de classe, les élèves sont assis trois par table banc et ce sont des chaises en plastique qui servent de bureau aux enseignants. Le bureau du proviseur, une salle de classe, sert aussi de logement aux gardiens de l'école. Le bureau du censeur, une autre salle de classe, sert également de bureau aux conseillers à l'éducation et de salle de professeurs. Quand il pleut, l'eau suinte partout. Dans les classes, les élèves sont obligés de déambuler de part et d'autre dans les salles pour éviter que leurs effets soient mouillés. Parfois, cela entraîne une interruption momentanée des cours. Ici, là où nous sommes dans un soi-disant bureau. Et mais c'est ici, c'est une salle de classe qui a été transformée en bureau. Et c'est le bureau, ça fait office de bureau du proviseur et en même temps le logement du gardien. Et là aussi, quand il y a les pluies, le matin, quand je viens, il faut que j'envoie des élèves pour nettoyer l'eau avant que je ne rentre ici. Au Sansora, c'est la même chose. Et dans les salles de classe, c'est la même chose. La toiture risque de céder si on n'intervient pas. Les murs également risquent de céder si on n'intervient pas. J'ai quitté ici parce qu'il y avait des fuites d'eau. Ça fuitait sur mon cahier. J'étais obligé de changer de place. On veut que monsieur l'État nous aide à réparer les trois, par exemple, les fissures des murs. Réparer la toiture de l'école. Oui, monsieur. Est-ce que c'est suffisant? Regardez non, là où vous faites la récréation. Oui, là où on fait vous aussi. Vous avez une cour, il y avait de l'espace pour faire la récréation. Non, monsieur. L'espace est petit. L'espace est petit. Oui. Vous avez de l'espace où vous jouez au ballon, au basket? Non, monsieur. Il y en a? Non. Regardez le couloir où vous faites la récréation. Le couloir est vous extrêmement petit. Vous êtes fier d'étudier ici? Non, monsieur. Hein? Non, monsieur. Vous n'êtes pas fier. Oui. Et qu'est-ce que vous demandez? On demande l'État de venir en aide. Voilà, c'est comme il l'a dit. Et c'est partout dans les classes. Et vraiment, ça nous donne la peine à donner les cours comme ça se doit ici. Comme il l'a dit, vraiment, nous demandons à l'État et à toutes les bonnes volontés de venir au secours à Dalaba. Dalaba n'a pas un lycée. Vous avez constaté, vous êtes passé dans toutes les salles de classe. Encore une fois, nous demandons à toutes les bonnes volontés et à l'État de nous venir en aide. Notre lycée vraiment est en mode de dégradation, comme vous l'avez constaté. Les toitures sont foutues et vraiment, vous voyez, le lycée est déjà vraiment foutu, on peut dire. Moi, je suis élève de ce lycée il y a 2 ans de cela. Ce lycée fait vraiment la fierté de la région et pourquoi pas d'ailleurs sur le plan national. Oui, où cette année on a eu un lauréat. Donc, ça veut dire que nous sommes en mesure de travailler vraiment
comme nos encadreurs déjà nous encadrent de la manière que nous voulons. Nous voulons vraiment travailler très bien dans ce lycée et sur ce sujet, je dirais à toute bonne volonté de nous assister afin que nous ayons un lycée moderne. Et d'ailleurs, je ne peux pas passer sans dire un grand merci à l'ONG Paul Gall. Et à chaque fois, il vient au secours pour nous faire certaines choses. Et comme vous l'avez constaté déjà dans les salles de classe, les élèves sont assis trois par banc. Cela veut dire que nous sommes en manque de bancs. Et non seulement aussi dans les salles de classe, lors des grandes pluies là, comme vous l'avez constaté sur les terrasses, quand on vient à l'école, il nous faut perdre les heures de cours en train de nettoyer devant les salles de classe pour pouvoir rendre les terrasses propres avant de commencer les cours. Toute ma vie administrative, c'est à Béhanzé. Depuis ma sortie, j'ai fait toute ma carrière à Béhanzé. Quand je vois cette école aujourd'hui, ça représente, quand tu vois ça, c'est comme si c'est une prison. À la direction préfectorale de l'éducation de Dalaba, on assure que les infrastructures du lycée Béhanzin ne répondent plus aux normes d'une école. Ça a été une surprise énorme pour moi quand je suis arrivé à Dalaba, de savoir qu'en ces temps-ci, qu'il y ait dans une préfecture, un lycée, le plus grand lycée de la préfecture, soit dans cet état-là. Et j'ai plaisanté avec les gens pour dire que ça me ressemble plutôt à une prison qu'à un établissement scolaire. Vous savez que le lycée Béhanzin est le principal lycée de la préfecture de Dalaba et l'unique lycée public de la commune urbaine et qui se trouve dans un état de dégradation poussée. En plus de cela, c'est un lycée qui n'a pas l'espace qui correspond à la norme actuellement. Les choses évoluent. S'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on pouvait admettre qu'un lycée public soit dans cet état, en 2024, c'est impossible de penser ainsi parce que les conditions qu'il faut pour les élèves, les apprenants et les enseignants pour les cours n'y sont plus en termes d'infrastructure. Et il n'y a pas d'espace pour les élèves. Les salles ne sont pas dans les normes pour accueillir les élèves normalement qui doivent, avec l'évolution des choses, qui doivent être dans les écoles modernes. Donc cela fait que les enfants, ils étudient dans des conditions très difficiles. Les enseignants enseignent dans des conditions très difficiles. En 2015, la préfecture de Dalaba a bénéficié de la rénovation et de la construction de plusieurs infrastructures publiques. C'était à l'occasion de la célébration de l'an 56 de l'indépendance de la Guinée dans la région de Mamou. Malheureusement, le lycée Béhanzin a été complètement ignoré dans ce projet. Je regrette beaucoup quand il s'agissait des fêtes tournantes. On a eu des constructions ici. On a refait la préfecture. On a refait le logement du préfet. On a refait la justice, la police, la gendarmerie, la direction préfectorale des eaux et forêts. On a construit un centre touristique et artisanal. On a refait la villa Janine, la villa Silly. Bon. Malheureusement, les gens ont oublié le lycée, alors que c'était une priorité. Nous, on n'était pas aux affaires à l'époque, mais on se serait imposé pour qu'on reconstruise le lycée. Parce que c'est là où on a besoin du savoir pour développer le pays. Le lycée Béhanzin compte à ce jour 384 élèves, dont 187 filles. Ces élèves sont encadrés par 21 enseignants, dont une femme. Si rien n'est fait pour son extension, avec le nombre sans cesse croissant d'élèves qu'il abrite, cet établissement va finir par fonctionner suivant un régime d'alternance. Et c'est l'une des plus grandes peurs de sa direction et de la DPE de Dalaba. Les effectifs ne vont que s'accroître. Si on ne fait pas attention, à un moment donné, il faudra qu'on étudie ici matin et soir. Et c'est, en tout cas, nous sommes dans un état de... L'état de dégradement du lycée, c'est très poussé. C'est très poussé. Ce qui est plus urgent ici, si ce qui est possible, c'est de nous aider à avoir un lycée moderne. Parce que l'espace est là. On a 1,5 hectare ici. Nous avons le plan de masse. Mais si c'est autre chose... En tout cas, pourvu que vraiment
qu'on quitte depuis 1960, cette école-là. Avec la poussée démographique, le nombre d'élèves a augmenté, et ce qui fait qu'actuellement, on a un pléthore d'élèves et peu de salles de classe. Dans les années passées, notre ONG avait fait des latrines parce que ça manquait, et après l'État aussi a fait d'autres latrines à côté. Il n'y avait pratiquement... La direction a été restaurée pas longtemps, grâce à nos ressortissants Paul Gall, qui se trouve aux États-Unis. Donc on a trouvé une salle pour le proviseur, une salle pour les enseignants et pour le censeur. Et il y a une salle qui a été trouvée pour mettre les ordinateurs. Mais ce n'est pas tellement sécurisé et il n'y a pas, l'électricité manque parfois. Donc, vous voyez, c'est l'état déplorable dans lequel nous nous trouvons. Et avec la nouvelle restructuration du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, vous savez, maintenant, il y a des classes scientifiques, des classes littéraires. Donc, quand vous prenez la 11e année, il le faut au moins 3 salles. Quand vous prenez la 12e, quand vous prenez le terminal, il faut au moins 3 salles pour les différents profils. Les effectifs sont en train d'évoluer et on risque d'avoir à faire de l'alternance, un groupe le matin, un groupe le soir, et tout le monde sait les implications sur le plan de la gestion du personnel que cela va amener. La situation déplorable du lycée Béanzin est une préoccupation majeure à Dalaba. Tout le monde souhaite sa rénovation et son extension pour un enseignement, apprentissage de qualité dans cette préfecture. Lorsque j'étais proviseur, j'ai toujours cherché à contacter les anciens élèves de Béanzin, parce que j'ai formé beaucoup, pour qu'ils pensent au lycée Béanzin. Parce que ce lycée a formé beaucoup de personnes. Il y a eu des grandes personnalités. Mais aujourd'hui, quand je vois ce lycée, j'ai les larmes qui coulent. Parce que le lycée, il y a une dégradation forte. Il n'y a pas d'espace pour les enfants. C'est un couloir qui sépare les deux bâtiments. Donc je vais demander à tout un chacun, que ce soit les anciens élèves, les personnes de bonne volonté, aux autorités, de penser à la rénovation ou à construire un lycée modèle pour Dalaba. Vu le passé de ce lycée et le futur de cette préfecture, il est impératif que les initiatives aient au niveau de l'État et au niveau même des ressortissants ou résidents aillent dans le sens de la rénovation ou même de la délocalisation. Quand je vois cet établissement tel qu'il est aujourd'hui, j'ai le premier sentiment, c'est un abandon de la part des autorités et de la part aussi des habitants, de la part de l'APE. On devait songer à reconstruire cet établissement pour rendre l'école belle, fréquentable, et encourager par la suite les élèves de la localité à fréquenter cet établissement. Mais c'est toujours le même bâtiment, la même silhouette, le même visage de 1958 à 2024. Le changement n'y est pas. S'il y a changement, c'est à l'intérieur et pour les formateurs et les formés. Ce n'est pas du point de vue infrastructure. Ce sont les mêmes salles qui ont servi de bureau et qui ont servi de classe. Aucun changement, aucun progrès dans ce sens. Donc, à mon avis, il faudrait nécessairement créer une vraie école qui réponde aux besoins des élèves, du corps professoral, aux besoins de l'éducation, aux différents besoins de l'éducation. Donc il faut oser dire les choses telles qu'elles se présentent. Il y a une nécessité criarde qui s'impose à la vue de celui qui a connu différentes écoles de changer le visage de ce bâtiment. Et de établissement là. Une école moderne de nos jours doit abriter d'autres infrastructures
hein, socio-éducatives, telles que les espaces de jeu, de sport, tout. Les exigences de la vie tiennent ou obligent ou en tout cas forcent l'autorité à créer un vrai bâtiment, un vrai bloc pour servir d'école. On peut conserver le nom Béhanzin, mais il faudrait que cette école réponde aux besoins actuels. Il le faut. Son état actuel affecte sérieusement la formation. Quand son état ne répond pas aux besoins, donc il y a un besoin criard qui s'impose. Il y a une logique qui est là, qui dit que créer la situation pour que le tout soit bien fait. Au niveau de l'éducation nationale, avec le ministre, nous sollicitons vraiment une aide pour que ce lycée soit reconstruit. Ceci est archaïque. Vous voyez, c'est depuis les années 60. Et même avant, c'est dans les années 46 que les autres bâtiments avaient été construits. Et c'est dans les années 60 que ça a commencé à être une école. Vraiment, c'est encore archaïque. Il est bon. Et je souhaite, depuis le ministère de l'Éducation, jusqu'à nos frères, nos ressortissants d'ici et d'ailleurs, de se donner la main pour faire de Dalaba, pour faire un lycée moderne à Dalaba. C'est vraiment le souhait, le rêve que je souhaite voir avant que nous ne partions de l'autre côté. Quelques initiatives pour la construction d'un lycée moderne à Dalaba ont déjà vu le jour dans les mains de certaines ONG locales. Mais jusque-là, il n'en a rien été. Depuis quelque temps, les ONG, quand je prends l'ONG TAD, quand je prends l'ONG Solidarité, quand je prends Paul Gall, et tous se sont mis ensemble ou séparément pour pouvoir trouver un financement pour faire l'école. La dernière fois, TAD avait fait un projet, ils ont fait le plan, les devis pour la reconstruction, pour construire un lycée moderne à deux étages. Et malheureusement, les financements ne sont pas obtenus encore. Et l'État, avec le préfet et les communes, nous avons rencontré nos ressortissants. On a rencontré les autorités nationales. Tous les ministres qui sont passés là-bas, nous avons parlé vraiment de cette école. Mais la chance ne nous a pas souri encore pour la reconstruction de cette école. Plusieurs ministres et hauts cadres de l'État ont été saisis de la situation du lycée Béhanzin. Mais rien de concret allant dans le sens du financement pour un lycée moderne n'a encore été vu sur le terrain. Comme vous l'avez dit, c'est un lycée vieux de plus d'un quart de siècle. Et quand vous voyez même des gens qui ont étudié là-bas, qui ont enseigné là-bas et qui sont là maintenant à la retraite, donc quand on voit cet état-là, ça fait pleurer. Donc nous nous battons pour vraiment trouver un lycée moderne à Dalaba. Nous, à la commune, c'est notre préoccupation. C'est notre préoccupation parce que nous voulons laisser au moins cette empreinte avant de quitter la commune. L'ONG Paul Gall est l'un des acteurs les plus déterminés à doter Dalaba d'un lycée moderne. Aujourd'hui, elle en est pour beaucoup si le lycée Béhanzin tient toujours debout. Moi, je suis arrivé ici en 2013. Mais j'ai trouvé déjà Paul Gall Dalaba ici. Il nous assistait dans la révision de nos candidats au bac. Et en même temps, les murs que vous avez montrés là, qu'on a réfectionnés, il a fallu Paul Gall Dalaba pour refaire les murs là. Sinon, on ne serait pas ici maintenant là. Et aussi, la plus grande majorité des tables bancs que nous avons ici, c'est Paul Gall Dalaba qui a confectionné ça. Même l'année dernière, ils nous ont assistés dans la révision des candidats. Et le lycée même avait eu le 31e de la République en sciences expérimentales. Donc c'est une occasion à ne pas rater pour dire merci à Paul Gall Dalaba. Ils ont tout le temps intervenu pour les révisions des candidats, mais ils ont pris en charge les professeurs. Et après l'examen aussi, ils ont toujours encouragé les élèves en donnant des satisfactions et des enveloppes symboliques. Si Paul Gall entame une telle démarche, ça nous va droit au cœur. C'est en plus de ce que cette structure est en train de faire depuis quelques années pour l'appui aux élèves candidats aux examens. Le bac, le brevet, il entre en 7e. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de les remercier, de les féliciter parce que tout cela concourt à l'amélioration vraiment des taux de réussite de chez nous. Mais c'est vraiment un SOS pour le lycée Béhanzin.
et de surcroît pour tout Dalaba. Parce que je vous dis encore une fois, c'est le plus grand lycée de la préfecture de Dalaba et qui est censé abriter tous les admis au BEPC. Donc il faudrait que ça soit modernisé pour être dans les normes que les autres. Donc merci une fois encore. Et nous souhaitons d'urgence que les initiatives concourent vraiment à nous aider à avoir, dans les plus brefs délais, si possible, bien sûr, un lycée moderne. Je salue Paul Gall, Inc. C'est la plupart des membres de cette organisation, de cette ONG, ont étudié au lycée Béanzin. C'est pourquoi ils en font une préoccupation. Et toujours en parlant de Paul Gall, ils ont, depuis 2013, et après il y a eu interruption bien sûr, et dans les 3-4 dernières années, ils ont payé les frais de révision des élèves pour le bac, pour le brevet et pour l'entrée en 7e année. Donc, ils ont recruté des enseignants qu'ils ont payés par mois pour faire réviser les élèves dans les différentes classes d'examen. Et ça a donné de bons résultats. Cette année, vous avez vu les résultats, on a eu plus de 50% d'admis au baccalauréat et au brevet. En plus de ça, bon, ils ont trouvé des ordinateurs, ils ont trouvé des photocopieuses, et des imprimantes pour le lycée, parce qu'il n'y en avait pas. Les gens étaient obligés de leurs documents d'aller dans les cyber, pour tirer. Mais ils ont trouvé une imprimante moderne, et c'est ce que le proviseur et les élèves utilisent pour leurs documents. Donc, c'est pas facile de tout citer, mais Paul Gall est une ONG qui est à l'avant-garde de l'appui au développement de la commune de Dalaba. Dans les prochaines semaines, la délégation spéciale de la commune urbaine de Dalaba compte initier une campagne locale de collecte de fonds pour entamer des travaux de construction de lycée moderne sur le site du lycée Béanzin. Elle veut surtout faire appel à une contribution volontaire des populations de Dalaba pour la réalisation de ce projet. Avec bientôt, les districts et les quartiers seront renouvelés et il y aura des équipes, nous sommes sûrs, il y aura beaucoup de jeunes et de femmes qui vont appartenir à ces nouvelles équipes. Donc nous allons demander à chacun, selon son pouvoir, de contribuer. On va ouvrir un compte au Crédit Rural, on va demander à chacun de contribuer. Et le développement, c'est on va pas à pas. Dès que nous aurons ça, la commune, nous allons commencer à faire le soubassement, avec le plan, bien sûr, pour les deux étages. Nous allons commencer à faire le soubassement. Si cela est fait, les autres viendront, c'est sûr, nous appuyer. Comme on le dit, quand quelqu'un te lave le dos, il faut te laver le ventre. Et nous allons le faire. Nous lançons un appel pressant à tous les ressortissants de Dalaba pour contribuer à la création ou à la rénovation du lycée Béanzin de Dalaba. Parce que c'est un lycée historique où beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ont étudié. Ce lycée représente pour nous un symbole. C'est à partir de ce lycée que nous avons reçu la formation. Je me souviens, quand je suis allé en stage un peu en France, je parlais avec quelques-uns de ces Français, ils m'ont dit « Mais où est-ce que vous avez étudié ?» J'ai dit « Mais moi, je n'ai étudié qu'à Dalaba, au lycée de Dalaba. » Donc, j'estimais que notre français était académique et qu'il était assez correct par rapport à celui que parlaient les jeunes de notre âge à l'époque en France. Beaucoup de gens qui sont passés par le lycée Béanzin sont aujourd'hui au niveau international. Ils sont des représentants des organisations de Nations Unies ou de la Banque mondiale, ou ils sont ministres, ou ils sont des directeurs nationaux. C'est de grandes personnes, quand je dis des intellectuels, qui sont à travers le monde entier aujourd'hui et dans tous les domaines. Donc nous lançons un appel vibrant à tous les ressortissants de Dalaba, à toutes les bonnes volontés pour aider Dalaba à avoir son lycée moderne. Le site existe, vous l'avez certainement vu, et c'est sur ce site-là que nous allons construire le nouveau lycée.